Yeah, toujours sur Demaniac.tv, on vient de voir le clip de Frenchy Blanco, Si Jésus. On est toujours au Cinémaniac, au Galerie Canardière, le club vidéo de collection. Ici, vous voyez, il y a des figurines, il y a des DVD, il y a toutes sortes de films que les gens peuvent rechercher depuis des années. Donc, on est ici, on est là en entrevue avec Frenchy Blanco, son album Galactique. On regarde le concept movies, films, science-fiction, action, whatever. On est dans le concept. Right? So, Frenchy, ça fait longtemps qu'on t'a vu quand même avec FP Cruz et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont passées à l'époque. Je peux, si tu peux nous donner un peu un résumé depuis combien de temps qu'il était dans le rap game, FP Cruz, c'est arrivé quand, c'est arrivé un peu avec le groupe, tout ça. Nous, je veux dire, ça fait un bout qu'on est là, on est les vétérans dans la game. Je me considère peut-être deuxième génération, je dis. Vers 93-94, on a commencé à bosser un peu dans l'ouest de l'île de Montréal. Puis finalement, vers les années 96, on s'est créé un groupe qui s'appelait Wildlanders et The Red X Squad, qui étaient deux groupes du West Island. On s'est mis ensemble, puis on a formé FP Crew. Puis finalement, on a sorti l'album Exposé en 2004. Puis là, on a sorti Haute Surveillance, mon album solo, en 2006. Puis là, ça fait vraiment un petit temps depuis mon deuxième ou le troisième album du collectif. Puis ça a pris un petit peu de temps, mais je veux dire, j'étais un petit peu... J'étais pas très, très, très impliqué non plus, parce que je me dis, j'aimais pas où que la game allait, j'aimais pas où que le monde amenait notre culture au Québec. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'eau dans le vin, alors ça m'a comme sorti un petit peu de tout ça, mais je veux dire, c'est dans notre sang, tu le sais, je le sais. Ça, c'est comme, j'avais pas le choix de revenir à la source, puis c'est une des seules choses qui me garde quand même, qui me garde encore sur un straight way, parce que je veux dire, j'aurais pu avoir d'autres options, j'aurais pu prendre d'autres chemins. Mais à la fin, la musique a tout le temps été dans mon cheminement. Alors j'ai tout le temps gardé cette vision-là. Cela, finalement, en 2011, on sort Galactique. Mais je veux dire, là, pour le monde qui n'a pas connu Frenchy Blanco, c'est sûr et certain que dès que vous allez acheter Galactique, vous allez comprendre que peut-être vous allez chercher Haute Surveillance, parce que Haute Surveillance est encore en magasin. Je veux dire, allez checker ça. So, that's that, you know what I mean? Ça fait un bout qu'on est là. Checker ça, allez voir Frenchy Blanco MySpace. Allez voir Frenchy Blanco sur Twitter. Frenchy Blanco Facebook. On est partout, on est envahi. C'est l'invasion en 2011. Galactique, bébé. Yeah. Frenchy Blanco aussi, comme tu dis. Les hip-hop, mais des fois les hip-hop englobe beaucoup de choses, t'sais. Moi je fais des Maniac TV et tout ça. De ton côté aussi, tu représentes aussi représentable pour une marque de vêtements. Je sais pas si tu veux nous en parler un peu, tu produis des événements aussi. Donc je vais te laisser un peu en parler un peu. Pour le moment, si le monde ne savent pas, j'ai mon propre label qui s'appelle Jack Cartier, les disques Jack Cartier. On a sorti deux projets qui vont sortir le 1er mars. Alors c'est Galactique, le deuxième projet. Je suis rap pour This Is It, qui est un line de LA, puis on essaie de rentrer ça au Québec. C'est ma première saison, donc on essaie de rentrer le plus possible dans les magasins. Gros shout-out au Walk-In, qui m'ont supporté, qui continuent de me supporter. Puis on essaie vraiment d'amener l'aspect fashion, l'aspect musique, tout mettre ça ensemble. Comme qu'ils font ailleurs, puis je veux dire, si au Québec on a du talent, on a tout, peut-être on a juste besoin de ce tatou-là, you know what I mean? So allez checker ça, thisisit.com, ça vient de Los Angeles, slick, gros graph, c'est un des meilleurs graph artists au monde, so allez checker ça, il y a un gros blog, à chaque jour ça change, il y a de l'information, so allez checker ça, allez acheter du thisisit, c'est la nouvelle tendance, Yeah. Donc on continue toujours dans le concept avec les vidéos. On est là maintenant dans une autre section qui est un peu plus ma section. Là, on voit les Schwarzenegger, les films d'action, les films de mafia là-bas. Moi c'est vraiment mes films à moi. Donc je vais te laisser un peu parler maintenant qui sont peut-être des vedettes d'enfance ou des movies ici. On va se promener un peu, on va checker un peu les films ici. Bon, il y a Beetlejuice ici qui était chaud. Ça m'a fait rire, man. Ça c'était un film qui était vraiment différent. C'était un peu cru mais avec un twist de... T'sais, c'était différent comme comédie, dark genre, tu sais. Puis ici on a Total Recall qui était gros. Total Recall c'était un de mes films. Je veux dire, si vous aimez les special effects, ils sont en avance sur leur temps, c'est sûr et certain quand ça a sorti. Il y a du Gremlin. Watch the new batch, ça c'était chaud. Gremlin. Yes, on a aussi Goonies. S'il y a du monde qui connaît ça, ça c'est un gros film, Steven Spielberg. Ça, je pense que je l'ai écouté peut-être une centaine de fois quand j'étais jeune, facile. Bon, ma mère était facile avec moi, elle me mettait deux films, puis elle m'entendait plus, you know what I mean?
So, mais c'est ça, mais quoi d'autre que je vois ici, ici, puis là, boum, 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 qui m'a inspiré. C'est sûr et certain, je veux dire, tous les Rambo, c'est sûr et certain que ça a été du gros show. Ben ça, je veux dire, le Balafré, si le monde ne sait pas, c'est, ça, c'est du gros, gros stock. J'aime ça, c'est un 2-10 Platinum Edition en plus. J'ai jamais vu ce cover-là en plus, c'est très nice. On a tout Carlitos Way, on a Casino, on a Frank White, you know what I mean? Tout le monde qui savent pas où que ça sort les vrais films mafioseux, you know what I mean? Ça, c'était un des premiers que le monde, ils savent même pas que ça existe encore, puis c'est des gros noms, là. So, you know, c'est dans la tendance Godfather. Je veux dire, boy, Les Affranchis, yeah! Yes, sir! Trop chaud. J'avoue que c'est une section aussi que que j'aime aussi. J'ai plusieurs attractions vers ces films-là aussi. Je veux dire, Mobsters, je l'ai acheté plusieurs fois. Je veux dire, toutes les 07, les nouveaux 07 qui étaient forts aussi. Charles Bronson, tu te rappelles de lui? Il était méchant, lui. Oh, lui, là, c'était un des vrais OGs, man. Jurassic Park, moi j'ai aimé ça, Jurassic Park, man, ça a été fou. Je l'ai vu au cinéma, je pense que j'avais 11 ans, 12 ans. Très fat. Romancing the Stone. Bof. Honnêtement, ils ont vraiment du luxe. Ils ont vraiment tous les Batman, les old school, Michael Keaton. Très chaud. Honnêtement, ils ont du nice stuff. Ça, c'est toutes des choses qui m'ont. Puis quand je dis inspiration, pas nécessairement une inspiration visuelle. You know, c'est des choses que tu prends et à laisser. Je veux dire, regarde, embarquez pas dans tout ça. Vous croyez pas à tout qu'est-ce qu'ils vous montrent. C'est un divertissement, c'est du entertainment. Oubliez jamais ça, you know what I mean? C'est des films, c'est fait pour entertain, c'est fait pour nous divertir. Ça, c'est pas la réalité à chaque fois. So, gardez ça parce qu'il y a des jeunes, des fois, ils pensent que c'est la même chose, you know what I mean? Yeah. Donc on continue maintenant encore en vidéo avec ma main Frenchy Blanco. Je pense qu'on va mettre un de tes premiers classiques en solo. Frenchy Blanco, des filles comme ça. Tu peux nous faire un petit truc pour ça? Yeah, yeah, you know what I'm saying? Tout le monde, Demaniac TV, la province au complet. You know what it is, c'est Galactic, Frenchy B. Je suis dans le magasin avec mon boy Shoudi, Demaniac TV, L Star all day. Des filles comme ça? Oh. Yes, sir, on part, bébé. To fun, but do you have the money? Sans gloss, sans caprice, ou tard les soirs, en 4 sous de One Piece. Elle casse son mind real ready. Son cas en passe à l'action, en donne des cotes torticolis. Plus comme Wood, l'attraction principale du show. À cause de bordel, everywhere she goes. C'est pas les labels qui lui manquent. Coco Cabana, Prada, c'est une femme indépendante. Toutes les hommes autour d'elle la réclament. Mais il faut que tu fasses plus si tu veux initier la flamme. Parce que des vraies femmes, de nos jours, ça se fait rare. Comme un trésor, perdu dans un coffre-fort. Lointain, ça fait de son chemin. Maintenant, il faut que tu sois beau, faut que t'aies un beau cash flow. Ils disent l'argent fait pas le bonheur. Mais sans la grosse palette, mon chum, avant partir de bonheur. J'aime ça, des filles comme ça. 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 J'aime les filles comme ça. Tu connais les vrais divas, les real mamas, ceux qui flashent pour le moment. Les filles qui collectent des partisans. Le genre de dame qui se promène en SC5 avec ses lunettes Gucci, ses habits importés d'Italie, tout droit sorti de magazine de Paris. Une vraie femme qui fait son propre deal. Mais fait du piton quand elle a besoin de son propre fil.
une femme ouverte à toute proposition. Ses proportions sont éclats, classification. Une bonne idée pour passer une bonne soirée. Ferme ta gueule, puis laisse le cash parler. Laisse ton plan match, match la sienne. C'est que tes chances de romance sont bonnes en chienne. Mais oublie pas, t'es juste une statistique. Laisse ton cœur dans l'affaire, puis ça pourrait être critique. Des filles comme ça. J'aime ça, 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 yo, yo, des filles comme ça. J'aime les filles comme ça. Tu connais les vraies divas, les real mamas, celles qui flash pour le moment. Des filles qui ont toutes les bonnes curves au bon endroit. Leur magic touch rush ton sang-froid. Quand elle porte des jeans, on dirait que c'est peinturé. Tellement le denim du jeans est full stretché. Son parfum sent bon, elle a de la bonne séduction. Vite sur Python, on dirait qu'elle sac des opinions. Le genre de fille qu'on parle du shit dessus. Mais vite à lui parler quand on la spot dans la rue. Spread the love, tu serais Pantini. Qui est ton père? Frenchie B, baby. Oh, Frenchie. 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 Oh, j'aime ça. Des filles comme ça. J'aime ça. Des filles comme ça.